Gloire à Dieu, nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 18. Nous partirons du verset 9 jusqu'au verset 11. Et nous lisons au nom de Jésus. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ce qui évoque les esprits, ou dise la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Que notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci pour cette opportunité que tu nous accordes de passer dans ta présence autour de la parole, que ton esprit prenne la direction de toutes choses, afin que la parole qui va sortir de notre bouche édifie ton peuple qui s'est déplacé sous la pluie. Et que tout ce que tu as promis au travers de ta parole soit évident ce soir en ces lieux. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de toi, nous le précipitons dans les lieux arides au nom de Jésus. Et depuis jusqu'à la fin de cette réunion, nous voulons contempler ta gloire. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons saluer la présence de notre Dieu? Soyez bénis pour tous qui vous êtes déplacés sous la pluie pour être ici. Je prie le Seigneur qu'il accorde à chacun de vous sa part. Comment environnement. Nous avons commencé le message par définir ce que c'est que la sorcellerie. C'est une œuvre de ténèbres. Quelque chose qui ne se passe pas au grand jour. Une œuvre de ténèbres par laquelle un esprit mauvais, un démon habite dans une personne. Un démon habite dans une personne. Dans le seul but de détruire la vie des autres. Là où il y a la sorcellerie, c'est la destruction des autres. Ainsi, il n'y a pas une bonne et une mauvaise sorcellerie. L'objectif de la sorcellerie, c'est détruire la vie des autres. Et là où un sorcier se retrouve, son environnement doit connaître un impact négatif. Les gens qui vivent autour de celui qui est dans la sorcellerie doivent vivre des choses négatives. C'est pourquoi en Israël, Dieu avait interdit aux enfants d'Israël de toucher à la sorcellerie. Vous devez être entièrement à moi. Ne touchez pas à ces choses-là. Ne touchez pas à la magie. À l'occultisme. Au fétichisme. À la sorcellerie. À l'astrologie. Et tous les mouvements mystiques. Parce que dans ce mouvement, ce sont les démons, ce sont les esprits impurs qui opèrent. Et si les esprits mauvais ne peuvent
jamais opérer dans l'intérêt de l'homme. Le diable et son armée, ils travaillent pour notre destruction. Et nous avons dit, comment devient-on sorcier? La sorcellerie se transmet. Et nous avions énuméré quelques fois par le manger et boire, avec la vie, coutume et tradition, l'occultisme, les parents perdent les enfants par le lien de leur sang. Par la sexualité, par l'intronisation des autorités ou des chefs dans leur pouvoir, on peut recevoir la sorcellerie en allant consulter le féticheur, le féticheur. En lisant les livres magiques. Alors, nous avons terminé le dimanche par vous donner quelques observations. Nous avons dit que là où se trouve la sorcellerie, on doit absolument observer les souffrances, des difficultés et des problèmes. Donc, comment on a aidé? Et ce ne sont pas des difficultés éphémères ou sporadiques qui arrivent et qui passent, mais ce sont des difficultés qui vont assujettir la vie de l'homme. Et cela se manifeste souvent dans des familles. C'est ainsi que le Seigneur nous a demandé de prier le dimanche. Pour les familles qui remarquent que l'ennemi les a assujettis dans une souffrance qui se répète, qui dure et qui s'installe dans la famille. Et ça commence à contrôler la vie de chacun des membres. Si le premier a perdu le travail, le second perdra le travail, ainsi de suite. Celui-là avait beaucoup d'argent et il commence à perdre tout ce qu'il avait comme moyen, il devient pauvre et c'est la suite de tout le monde. Si le premier qui avait commencé les études a arrêté les études, vous verrez que c'est tout le monde qui entre dans la danse et qui perd, qui abandonne les études. Si celui-là a eu des problèmes pour se marier, deuxième, troisième, quatrième, la même chose. Si celui-là a divorcé, tout le monde divorce dans la famille. Si une femme, une soeur de la famille perd son mari, c'est toutes les autres qui perdent leur mari. Si une femme
dans la famille, il a perdu sa femme, tous les autres disciples vont commencer à perdre les femmes et laisser les enfants à bas âge. On y va sous mobile, à vous qui dit moi si naïe, et la carte d'arrivée dans la maman, puis papa, pour vous, et la carte à basse. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, il y a bon à la maline, la vie, car nous, chrétiens, nous ne pouvons pas rester indifférents, puisque les situations que l'ennemi nous impose. Il nous a imposé des difficultés. Il a posé des problèmes. Et nous pensons que c'est comme ça que nous devons vivre. Nous pensons que c'est la volonté de Dieu. Cela n'a jamais été la volonté de Dieu. Jésus-Christ a dit dans la parole. Jésus-Christ a dit nous, en tant que chrétiens, véritablement chrétiens, nous ne devons pas supporter que la parole reste seulement dans les papiers, mais nous nous disons le contraire. Nous devons quitter le groupe de ceux qui déclarent les versets bibliques. Mais qui ne vivre pas. Donc c'est que les colombanistes en aient battu au bâtiment la caca. Pourtant, dans ma commune, dans mes cas, c'est pas compliqué à monter. Pour y arriver, et pour la comprendre, voilà. Nous avons clôturé notre prédication de dimanche avec un texte de Luc chapitre 10. Dès la votre soumise, qui était à la mission, il y a beaucoup de gens là. La carte à votre âme, on a l'air, l'ouvre à mon caponazon. La Bible dit ceci, à partir du verset 17, Jésus a envoyé les 70 pour aller prêcher la parole. Les 70 disciples. Et quand ils sont rentrés, ils ont fait le rapport au Seigneur. Dieu, le Seigneur
n'est pas d'accord avec ce que les démons et les sorciers font dans nos familles. Nzambe azalaka te na esengo komona oyo badimo na bakosa la kata bomo ina yo pe bato. Comme il voit, kasi lokola ya monaka. Moi je suis déjà dans la paix. Manazali pa kimia. Il refait aux disciples. Azali kotali sa bayeko. Quand vous êtes parti, et si kami moi je voyais ce monsieur là. Le diable. Comment il est descendu avec l'intention d'égorger, détruire et démolir. Alors je ne suis pas resté inactif. Voyez cela, qu'est-ce que moi je fais? Il dit au verset 18. Alors je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Le démon que le monde des ténèbres a libéré. Il tombe à la porte de ton mariage. En commençant par toi-même.
Tu vas mettre sur une perche. Quiconque aura été mordu par le serpent. Et qui va poser un acte de foi. En écartant le serpent. Il va conserver la vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit. Pourquoi on a Amen.
Tous ceux qui nous